Mesdames et messieurs, ladies and gentlemen, merci de votre présence ici à la Cité des Sciences cet après-midi. Thank you very much for being here this afternoon in the Cité des Sciences here in Paris. Peut-être quelques applaudissements pour tous nos invités très prestigieux qui sont arrivés. Just to show how delighted people are that people have come from such a distance. Je m'appelle Alex Taylor, je suis journaliste, je me définis comme un journaliste européen et je suis ravi d'être votre animateur pour cette rencontre à laquelle vous êtes, ma foi, très nombreux. Tout est interprété en anglais et en français. Everything will be translated from English into French and backwards in all possible directions. Donc, merci. Vous pouvez applaudir aussi des interprètes parce qu'ils donnent beaucoup de travail. The interpreters are going to translate everything. Ne vous inquiétez pas, nous avons quelques présentations de la part de nos invités très prestigieux, Peter Singer, Mathieu Ricard et Émeric Caron. Mais à la fin, il y aura 45 minutes où je viendrai dans la salle avec le micro et vous pouvez, vous, leur poser des questions ou faire des remarques pour la dernière partie de notre après-midi. Mais pour mieux vous présenter les enjeux et les raisons de cette rencontre, je suis ravi d'appeler sur scène l'une des fondatrices de L214 et directrice de publication des cahiers antispécistes. Merci d'accueillir tout de suite Brigitte Gauthier. Merci de l'accueillir, Brigitte. Merci. C'est un petit peu impressionnant. Je suis très émue d'être là. Je suis très émue d'accueillir ici des personnalités qui nous ont aidés à avancer, qui nous aident tous les jours à réfléchir à un monde où on n'exploiterait pas les animaux. Accueillir Peter Singer qui a donné l'impulsion de départ à un mouvement formidable basé sur la bienveillance défendue par Mathieu Ricard et défendue en France ardemment aussi par Émeric Caron. Alors donc je suis cofondatrice de L214, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une organisation de défense des animaux qui a pour objectif d'abolir l'exploitation de ces êtres sentients, de ces êtres sensibles qui, comme nous, ont le désir de vivre. Et je suis aussi directrice des cahiers antispécistes, directrice de publication des cahiers antispécistes, qui, comme leur nom l'indique, lutte contre le spécisme en proposant des réflexions sur la question animale. Je voulais vraiment remercier Mathieu Ricard, Peter Singer et Émeric Caron. Mais en fait, même bien plus fort que ça, parce qu'ils ont accepté bénévolement de venir passer toute la journée avec nous aujourd'hui. Voilà, donc je vous souhaite une excellente après-midi, pleine de réflexions pour nous tous. Que ça nous donne de la force au quotidien pour continuer à nous affirmer du côté des animaux, du côté vers une société bien meilleure qu'elle ne l'est aujourd'hui. Merci beaucoup, Brigitte. Je sens que vous avez beaucoup d'amis dans la salle. Alors, nous sommes très honorés d'avoir avec nous, comme Brigitte vient de le dire, Peter Singer. Est-ce que c'est la peine que je le présente? J'ai l'impression que tout le monde dans la salle le connaît. For the one or two people who don't know who he is, donc philosophe et professeur de bioéthique, il enseigne en Australie et aux États-Unis. En même temps, il est titulaire de la chaire d'éthique de l'université de Princeton. En 1975, bien sûr, c'est lui qui publie La libération animale, l'ouvrage fondateur du mouvement contemporain des droits des animaux. D'autres livres, questions d'éthique pratique, Une gauche darwinienne, Sauver une vie,
agir maintenant pour éradiquer la pauvreté. Les animaux ont aussi des droits et l'éthique à table. Peter Singer, vous aurez l'occasion de lui poser quelques questions, soit tout de suite après son discours, soit en fin d'après-midi. And he will be speaking, I think, in English. Peter, where are you? Here he is. Big round of applause, Peter, onto the stage, please. Peter, we're delighted to have you with us. Thank you. Thank you. How would... Very happy to be here and have such a great crowd. Terrific. I don't think you're going to have much time to speak with all the applause. How would you like to do it? Would you like the questions right at the end of the afternoon or some questions after your first speech now? We'll see how it goes? Or? Yeah, we can see how it goes. Okay. But if I would like to leave some time for questions. I'll be right here to go and hand the microphone. Good. All right, let me watch the time. I'll take this off so I can watch the time and see how we're going. Thank you. Yeah, good. Okay. So firstly, I want to begin by thanking the organizers of this wonderful event, L214. I think it's great to be able to have the opportunity to speak to you here in Paris. I think it's an important moment for the development of animal liberation. And I will say a little bit about why that is so before in a few moments. I thought what I have said I would talk about is the paths to animal liberation. And by that I mean the paths to implementing the ideas that I expressed in my book, Animal Liberation, that was published 40 years ago this year. The way in which we can end the exploitation of animals, which is continuing and, in fact, in some respects is growing, but in other respects which we have made progress towards changing. But let me begin by talking about the essential ethical principles on which I think this movement is founded and which I tried to set out in that book such a long time ago, because I think that what has to underpin the progress towards animal liberation is the idea that this is an important ethical issue, that this is one of the challenges that we face if we want to think of ourselves as a society that is living ethically, and also if we want to think of ourselves more personally as individuals who are living ethically. When I first came across the thoughts that led to my writing the book, it was while I was a graduate student at Oxford University in 1970, and the very idea that something about animals could be a really important moral issue had not occurred to me up to that point. Now, today that may seem rather strange. How could somebody get to the age of 24, especially if they're working in philosophy and indeed in ethics, and not really think about the way in which we treat animals? But that was perfectly normal then, because there was no animal movement that really challenged the way we think about animals. All there was the more traditional animal organizations like the Royal Society for the Prevention of Cruelty to Animals, which was mostly concerned about dogs and cats and horses, and you know, I was certainly not cruel to dogs or cats, so what they were saying did not challenge me in any way. But I was eating meat really oblivious to what was involved in that, and I was certainly oblivious to the idea that the whole attitude that we have to animals was something that was fundamentally morally wrong. So I was challenged to think about this simply by happening to have lunch with somebody who in those days was very unusual. He was a vegetarian, and he was not a vegetarian for any peculiar religious reasons. He was not a vegetarian because he thought meat would be bad for his health.
he was a vegetarian because he didn't like what was implied in rearing and killing animals and putting them on his plate. And I was eating animals, and I hadn't really thought even about that question. But because I was a student of philosophy, I thought this is a question that I ought to think about. And therefore I started not only to talking to him and to a couple of his friends who had similar views, but reading about what philosophers had said about this in the past, and what they had said about it at that time, or perhaps rather I should say what they were not saying about it at that time. Because if you think back to 1970, most of you probably can't think back, but if you remember some what you've read about that period, there was a lot of discussion about important ethical questions. The Vietnam War was going on, so there were questions about whether that war was morally just, whether you should resist the war, whether you should not accept to be drafted if you were living in a country that was fighting in Vietnam. There were questions about racism, and the black liberation movement was developing, so there were questions about human rights, the beginning of the women's liberation movement or the feminist movement, and there were questions about women's rights. So there was a lot of debate about rights, but it was all focused on humans. And even those philosophers who were writing about this, they would produce arguments about why all humans have rights, but they would never say, why don't the animals also have rights? They would never even look beyond this boundary of our own species. It was the same assumption that I had been making up to that point, that all important moral issues are about the treatment of human beings. But it's obvious, if you think about it, that there are beings beyond our own species that are capable of suffering and that do suffer. In fact, that we inflict suffering on in very extreme ways and in ways that are not at all necessary for our own survival or well-being. So you only have to start looking at this to see that there is at least a moral question here. And you only have to start looking at what the philosophers had written to see that actually there is a blind spot, that they are not thinking about these issues either. And even though their arguments would often actually carry over to non-human animals, they never even mention them. So that's what led me to start thinking that this is an important issue that we have to think about more. And eventually, 3 or 4 years later, I wrote Animal Liberation and developed my thoughts on that. But this message has now, I think, to some extent, got out beyond philosophy departments and has got out into the mainstream. But So there is a movement, an animal movement, and we see it here in the number of people who've come today and the fact that this event sold out, that there is a lot of interest in this now here in France, as there has been in many other countries. But it is still not really accepted, I think, in the mainstream. So that mainstream still has the idea that, yes, we should have some concern for animals, perhaps. We shouldn't be unnecessarily cruel to them. But it still has the idea that it's all right for us to use them for our own purposes with some boundaries, some limits to what that cruelty could be. But that what that means is that we still do not have animals really as part of our central moral concern. We still think that if we want to eat them, it's okay to not only to kill them for us to eat them, but to raise them in ways that obviously are not suited to their real needs. To put them inside, to confine them in various ways, to prevent them doing the things that they naturally do, like prevent the hens from scratching in the dirt,
to separate the cows and their calves in order to have milk for us to consume, we still have this idea that their interests don't really matter. And that's what to me seems fundamentally wrong. We have to get away from that. We have to get to the principle where we should be giving equal weight, equal consideration to their interests as to the interests or the similar interests of human beings. So if an animal suffers, if a cow or a pig or a dog or a cat suffers, that suffering doesn't matter less because it's not a member of our species. That suffering is still just as bad a thing if it is a similar amount of suffering. Which is not to say that there might not be some kinds of suffering that we experience that you can only experience if you have cognitive capacities that non-human animals don't have. But there are clearly important ways in which animals can suffer, not just physical pain, but as I said, the emotional suffering of separation of a mammal from her child, the emotional suffering of stressful confinement and crowding, and the suffering of boredom and so on. All of those things which animals clearly can feel and experience and do experience, which we are not giving the proper weight to that we should be giving. So the way of summing up this idea, I think, is to think of the way we regard animals as akin to the way in which more than 200 years ago Europeans regarded Africans as objects that you could buy or sell, that you could trade in for your convenience, for the convenience of people in the New World who wanted to produce cotton or tobacco and wanted slave labor in order to do it. And just as they had an ideology that enabled them to justify that to themselves, and of course that ideology was a form of racism, so we have an ideology that enables us to justify to ourselves the way in which we use animals. And that ideology I refer to as speciesism, to make that parallel, that there's a dominant group which exploits others and has a way of thinking that justifies that to itself. So I think one of the foundations that underlies the path to animal liberation is to try to have more people see this, to make this kind of mental switch from thinking, oh yes, of course, naturally we are the dominant species on the planet and that's fine, to thinking, no, we are actually in a position of power and we have rationalized what we do, we have justified it to ourselves in a way that is not really ethically defensible, and therefore the struggle for equal consideration for animals ranks alongside these other great struggles that we have been fighting against racism, against sexism, against homophobia, all of these sorts of things that we regard as important moral issues. This is another important moral issue alongside them. And in fact, in terms of the numbers of animals affected by it worldwide, it clearly affects more sentient beings than any other, because each year we raise and kill about 65 billion animals, so almost 10 times the population of the entire planet. All right, if that's the foundation of moving forward, let me say a little bit about how we can best do this. And it is something that we can do both on an individual level and on a political level. On an individual level, we can make the choice ourselves to stop contributing to this abuse of animals. And as long as you are still buying the products of industrial agriculture, you are
giving them the only kind of approval that they really need. You are giving them your money as an incentive to continue to produce those products. So I think that's important to stop that, and it's important to be an advocate for stopping that, so that this idea spreads, and the idea of living in a way that is cruelty-free, following as closely as practical a vegan lifestyle, that is an important step. And I say as closely as practical because I don't hold the kind of ethic that thinks that any tiny violation of a rule means that you've completely failed and you may as well just give up altogether and go back to eating meat. I think you have to be concerned about the consequences of what you're doing. So it's not a matter of moral purity in that sense. It's not like keeping a kosher diet or something like that. It's a matter of saying, when I can reasonably make this choice, I'm going to choose not to support these animal industries, and I'm going to spread that message as much as I can. And I think this is important because, as I was saying before, this seems to be a moment when this is becoming more popular, when particularly in Europe, I've noticed in traveling in Europe, there are more vegan options available, there is more recognition of vegan diets and of the fact that there are people who want to eat vegan, and we need to try to make this mainstream. We need to have good vegan options in every restaurant, in every supermarket, because once we make it easier for people, the movement can grow more rapidly. So I've been coming to France every few years, I guess, since I was living in Oxford in the early 1970s, and at first there was simply no comprehension even of the idea of being a vegetarian, I have to say. It was seemed, in France, coming from England, it was a much stranger idea to be a vegetarian and to want vegetarian food in France than it was in England. But now, on this visit, I can see that things are changing, as they're changing in other countries where it was also very difficult. I've come from Germany, I was in Austria not so long ago, these countries that also had very much meat and animal-centered diets are now providing more vegan options. So I think this is a really important moment to push that. And that's one path to animal liberation, a personal path. But I think we also have to take a political path. We have to try to make this an important political issue so that political parties have to take a stand on it. Again, as they take a stand on the other big issues. You can't really be a political party today, for instance, without having some stand on what you think about refugees and people, immigrants, asylum seekers trying to come across the Mediterranean if you're in Europe, or in Australia if they're trying to come through Indonesia and land in Australia. Political parties feel compelled to take these stands, but they still don't really feel compelled always to take a stand on the treatment of animals, on animal agriculture. And we have to make enough noise to make them realize that this is a major political issue that the voters want to know before deciding how to vote. They want to know where they stand on these questions. And there are different ways of doing this. In some countries, the way to do this may be to form a party specifically for the animals, as exists in the Netherlands, for instance, and where they've been successful in getting 3 members, I think it currently is, into the national parliament. In other countries, depending on the electoral system, that may not be very realistic. It may be better to work through an already existing party, which might be the Greens. The Greens tend to be sympathetic to animal issues. If it might be, for various reasons, one of the other major parties. But I think that political route is important, and we have to try to campaign for reforms in various ways. Now, some people will say, I've talked about the importance of personally avoiding animal products, and I've talked about political
reform? Is there some kind of opposition between these two strategies? Some people will say, for example, that if you have reform of the conditions of animals existing in farms, you weaken the case for going vegan because people will think, oh, the conditions are not so bad. We got a law through and now the hens, which used to live in a cage this size for four hens, let's say they live in a cage this size. So it's a bit better, isn't it? Well, it is a bit better. And I think that, in fact, it is worth trying to do that because I don't think there's much real evidence that the reforms that we're getting are reducing the number of people who are avoiding animal products. On the contrary, it seems that the countries that have most progressive laws are also the countries with the largest numbers of vegetarians and vegans. But there's another factor here that's worth mentioning as well. We want people to make choices away from animal products and towards other products. And obviously, they need to eat, and they want to eat things that they enjoy eating. So at the moment, there is a competition. There are starting to be more and more plant-based products that can replace meat or be alternatives to meat or taste like meat in various ways. And there are traditional products, of course, like tofu that have always been around that are alternatives to meat. But there is an economic component. And if the meat product is particularly cheap, as, say, chicken often is, that's going to be a factor with many people. Well, if we can raise the standards of animal welfare, even in ways that are not at all adequate for the standards of any decent animal ethic, we are increasing the costs of producing those products. I mean, if it wasn't going to increase the costs, that would be already the way in which those animals were looked after. It's economics that has driven producers in a competitive market to crowd more hens into a cage or more hens onto the floor of a shed or to confine pigs indoors where they need less looking after, to not give them any straw because it takes a bit of labour to replace the straw and some cost. Anything that adds to the cost of production of animal products will make the alternatives more competitive. Just as we ought to be adding to the costs of, let's say, producing electricity by burning coal in order to make solar and wind and other renewables more competitive, so we ought to be doing what we can to add to the costs of the meat production, which incidentally is also a major contributor to climate change. And that's another cost that we have from it. So I think that, I thought you were coming to tell me my time is up. Right, thank you. Thank you very much. That is good. My throat is getting dry. So we need to try to do both of these things. I don't think it's an either-or choice at all. I think that ultimately our goal should be, for the ethical reasons that I've given you, our goal should be the abolition of commercial animal raising. It's very hard for me to see how, if animals are things that are raised commercially, we are ever going to get to the point where we are really treating them ethically, really respecting their lives as they should be respected and thinking of them in the way that we should be thinking of them. But I don't believe that we're going to get to this point anytime really soon. I don't have the capacity, unfortunately, to look into the future, so it's very hard to say. But I would say you would have to think it's going to be at least 20 years before we have a society in which is not actually still consuming large quantities of animal products. In fact, you know, more likely I would say it's going to be longer than that, but perhaps we ought to set a 50-year goal for when we could really be living in a society that is an ethical society as far as its relations with animals are concerned. And in the meantime, I do think the suffering of the billions and tens of billions of animals each year
matters, and that is something that is important. And that is something that is important, and I think that we should do something to reduce that suffering here and now as far as we possibly can. So I see this as an important route, and I think the changes that have happened in Europe are things that are in small ways beneficial to animals, and they are things that we ought to encourage, and we ought to be doing both things at once, trying to reduce the size of the animal industries and trying to reduce the immediate and present and acute suffering of those animals. Okay, so I've talked about an individual path to animal liberation. I've talked about a political path to animal liberation. Let me say there's one more thing, and I've already talked about the ways in which animal products, or sorry, alternatives to animal products, can help to move people away from a diet that is supporting cruelty to animals. I think encouraging the development of those products is an important thing to do. So in the United States, there are a couple of young animal rights advocates with some business experience and background who decided to try to see what they could do to reduce the number of animal products consumed, not just on an individual level, but on a large scale. So they picked out the industrial use of eggs. Okay, so in the United States, I don't know what the figures are here in France, in the United States, about 30% of all eggs are not sold as whole eggs to consumers. They are sold as products. So the eggs go into cakes and other products that use eggs. And they thought it should not be too difficult to develop a product which is plant-based, which has the similar cooking qualities to eggs, that is cruelty-free, that is sustainable, and that will, in addition, avoid some of the health risks of eggs, because there are various downsides to eggs, both in terms of cholesterol, but also in terms of the spreading of salmonella, where there have been many cases of people becoming ill through eating eggs and egg products. So they set up a firm called Hampton Creek Foods, which is, I would say, on the edge of becoming a major commercial success. It's already producing egg-free mayonnaise, which is being sold in American supermarkets, and it is working on developing other egg products and replacing that. So I think anything that enables us to find good alternatives, to find new techniques which will be, as I say, cruelty-free, environmentally sustainable, healthy, and economically competitive, is going to be an important step in the path to ending the exploitation of animals. So I will stop talking at that point. I think that will still give us a few minutes for some questions and discussion, and I look forward to hearing that from you. Thank you. Hi, Peter Singer. I'm really pleased to meet you and to have the honor of seeing you. My name is Laetitia. I'm a French young graduate from a business school, and I really want to get involved in animal liberation, want to make a change. And I often wonder, actually, what can we answer as European citizens or citizens of the Western world to Chinese or Asian people who eat more and more meat every day? And how can we really have the impact on a world base when we see that actually those people are really changing the way animals are treated, and it's actually getting more and more like worse because they are eating a bigger volume of animals. So do you think, for example, Hampton Creek has a chance in Asian world, and do you think we can have an impact on a world basis compared to Chinese people who eat more and more chickens, for example?
Well, I certainly, I mean, it's a very good question, because certainly meat consumption is rising sharply in China and in other parts of Asia. But I think the best way in which we can help them to change is by example. Because even though meat consumption is rising there, on a per capita basis, we are still eating more meat here in Europe and certainly more meat in North America than the Chinese are, and much more than the Indians are. So I think, you know, in the United States, meat consumption has just started to fall in the last 5 years, after rising steadily, more or less forever. It started to come off the peak now, and I hope that will continue. But I think we need to show people in Asia that it was a mistake that we went down when we started eating so much meat, and we're moving away from it. And I certainly think that people in China would be very ready for that. I mean, certainly you see everywhere in East Asia, you see alternatives to dairy products being sold. You know, soy milk is something that has been very widely used for a long time in Asia. I think they would be very ready to accept other alternatives. There is a whole school of Chinese cooking which produces plant-based alternatives made out of seitan or gluten or tofu. So I think that we can turn this around. I agree that it's very urgent because there are, of course, you know, 1.4 billion Chinese and more than a billion Indians. So it's urgent, but I think we can do it. Qui ne connaît pas Mathieu Ricard, vous avez déjà des sifflets d'applaudissements dans la salle. Donc pour les deux ou trois personnes qui ne vous connaissent pas, docteur en génétique cellulaire, moine, bouddhiste, écrivain, traducteur et photographe. Vous êtes l'interprète français du Dalai Lama. Vous vivez depuis 40 ans au Népal. Vous avez créé l'association humanitaire Karuna Chechen qui a développé 130 projets éducatifs, médicaux et sociaux dans la région himalayenne. Donc, parmi vos ouvrages, le plus récent, c'est Plaidoyer pour les animaux, mais aussi Le moine et le philosophe, Plaidoyer pour le bonheur, L'art de la méditation, L'infini dans la paume de la main et Plaidoyer pour l'altruisme. Comment vous souhaitez faire tout à l'heure ? Voilà, une petite intervention et puis des questions dans la salle. On fait comme ça ? Perfect. D'accord. Merci. On vous écoute. Mathieu Ricard, merci beaucoup de l'écouter. Je voudrais d'abord dire à quel point pour moi c'est un moment très particulier, un grand jour d'avoir pu rencontrer Peter Singer, qui m'a énormément inspiré et que j'admire beaucoup. Donc, pour moi, c'est un jour tout à fait exceptionnel et je le remercie. Il y a encore 2 siècles, on torturait les gens sur la place publique, on les pendait, on les livrait au supplice de la roue. Voltaire s'était insurgé, tout particulièrement parce qu'il se trouvait qu'on avait supplicié un innocent. Et on allait voir ça comme on allait voir des matchs de foot. On réservait l'hôtel à l'avance quand il y avait des supplices particulièrement intéressants, comme un bon match. Il y avait même une petite ville des Vosges qui avait acheté un condamné à mort d'une ville voisine parce qu'il ne s'en avait pas eu pendant longtemps et s'ennuyait le dimanche après-midi. C'est inimaginable, mais malgré tout, ce n'est pas s'il y a si longtemps. On a brûlé la dernière sorcière en France en 1825, en Suisse en 1800 quelque chose. C'est inconcevable aujourd'hui. Donc il est incontestable que nous avons fait un immense progrès de civilisation. Tout d'abord, quand en Angleterre, une dizaine de personnes résolues ont décidé qu'il fallait abolir l'esclavage. On leur a dit « vous êtes complètement fous ». Économiquement, c'est impossible. L'Empire britannique va s'écrouler. 10 ans plus tard, l'esclavage était aboli. On a aboli au moins légalement la torture. Un certain nombre de personnes décidées ont réussi à faire adopter la Déclaration universelle des droits de l'homme. On a mis l'accent sur les droits de la femme, les droits de l'enfant, etc., etc. Donc, indiscutablement, de ce point de vue-là, on est arrivé à un point où la valeur de la vie humaine n'est plus négociable. Commercialement, on ne peut plus dire la vie humaine vaut tant de prix
Mais dans tout ça, il reste une incohérence colossale dans le sens de pour avoir un système éthique qui tienne la route, qui soit cohérent et qui fasse preuve d'une véritable civilisation, c'est qu'autant on a ainsi accordé une valeur non négociable à la valeur humaine, autant la valeur intrinsèque de la vie animale est quasiment nulle, sauf si elle est d'ordre marchand ou commercial, ou pour notre divertissement, ou pour notre compagnie, ou pour d'autres raisons qui sont donc purement instrumentales pour notre bien-être, notre plaisir, etc., etc. Et donc là, c'est très difficile de prétendre avoir un système éthique cohérent si on laisse cette espèce de fossé éthique si immense, d'autant plus que la science a finalement, un à un, éliminé tous les soi-disant arguments qui permettraient de créer ce fossé, à savoir que les animaux ne souffrent pas, etc. Mais tout ça, ce sont des progrès des connaissances également. Il y a encore 30 ans, on opérait sans anesthésie les nouveau-nés humains en disant qu'ils ne sentent rien. Et puis on a commencé à savoir aussi, bien sûr, qu'ils sentaient quelque chose, que les animaux sentaient quelque chose. On disait, mais les poissons, eux, rien du tout. Les crabes, certainement pas. Jusqu'à ce qu'on trouve qu'ils avaient les mêmes terminaisons nerveuses, les mêmes neurotransmetteurs, qu'ils souffraient pour sûr, etc., etc. Et donc, on sait maintenant qu'un chimpanzé ou un bonobo a 98,5% d'ADN comparable avec nous. Tout ce continuum qui fait qu'on ne peut pas trouver nulle part un fossé qui soit une sorte de saut quantique entre l'homme et les autres animaux. Et d'ailleurs, si on voit la lignée des hominidés, hein, en passant de notre ancêtre commun avec le bonobo jusqu'à nous, eh bien, eux aussi, ce sont des transitions qui se font progressivement. Il n'y a pas un moment où, soudainement, il y a quelque chose de fondamentalement différent. Alors, est-ce que ce n'est pas précisément parce que nous manquons de raison? Nous n'avons pas su aussi nous mettre à la place de l'autre. Kafka disait « La guerre est un prodigieux manque d'imagination. Nous sommes incapables de nous mettre à la place de l'autre. » Voyez le roman de Rainer Maria Rilke, qui prend la place d'un autre soldat, qui voit quelqu'un mourir et qui pense que c'est quelqu'un comme moi, qui avait une famille, des joies et des souffrances. Et comme Peter, quand j'étais jeune, j'avais une grand-mère très bonne qui allait à la pêche. Elle était très bonne, cette grand-mère. Comment pourrait-elle faire quelque chose de mal? Donc ce qu'elle faisait d'aller à la pêche, ça ne pouvait pas être fondamentalement mauvais. Jusqu'au moment où quelqu'un m'a dit « Mais tu pêches !» Et rien que ça, je me suis dit « Mais si moi, on me tirait par un crochet en fer » dans l'eau où j'étouffais, qu'est-ce que je dirais de tout ça? Et quelle est la différence entre quelqu'un qui vit dans l'eau et qu'on tire avec un crochet de fer pour le faire étouffer dans l'air? Et donc le fait de se mettre à la place de l'autre, c'est ça qui fait toute la différence. Et c'est d'ailleurs aussi pour ça qu'on veut tellement cacher ses souffrances. Parce que 60% des programmes de télévision et de cinéma ont des actes de violence, on vous montre des films d'horreur. Et si vous voulez montrer ce que montre L214 ou Earthlings ou Terrien ou autre chose, on vous dit « Ah non, ça va choquer les enfants ». Mais choquer, c'est pas plus que des films d'horreur. Simplement, ça va nous montrer ce qui se fait tous les jours, loin des yeux, loin du cœur. Et là, nous sentons directement liés, directement responsables. On n'est pas responsable de ce qui se passe dans les films d'horreur, mais nous sommes très évidemment responsables d'entretenir ce qui fait ces souffrances innommables. Et donc, cette prise de conscience, si nous sommes doués de bienveillance, ne peut pas mener à autre chose que de respecter, d'accorder de la valeur au fait de ne pas vouloir souffrir. Quand je me réveille le matin, je ne me dis pas « puisse-je souffrir toute la journée et si possible toute la vie ». Mais il n'est pas bien difficile de me transplanter dans l'esprit de quelqu'un et de me rendre compte que lui non plus ne souhaite pas souffrir dans la mesure où il ressent la souffrance. Et pourquoi n'aurais-je pas de considération pour ce désir? Pourquoi n'accorderais-je pas de la valeur à ce désir? Donc c'est ça qui vraiment peut nous permettre de changer notre attitude. Alors bien sûr, tout cela est lié aussi forcément à notre manière de vivre. Il est intéressant de voir que les peuples dits primitifs, les chasseurs-cueilleurs, ils n'ont toujours considéré les animaux comme différents, jamais inférieurs. D'ailleurs, quand vous avez un jaguar ou une tigresse qui vous court après, vous avez très peu à faire de la supériorité de l'homme sur l'animal. Mais quoi qu'il en soit, c'est quand on a commencé, il y a à peu près 10-12 000 ans, à nous sédentariser à l'agriculture, à l'élevage,
qu'on commençait à la fois l'élevage en masse, la mise à mort en masse des animaux, mais aussi l'esclavage, chez les Sumériens, par exemple. À partir du moment où on a commencé à tuer régulièrement, toujours devant nous, des animaux qu'on a élevés, qu'on a connus, il faut se retrouver, on ne peut pas se sentir tout le temps en porte-à-faux avec un sentiment moral profond, se dire que je suis une mauvaise personne. D'où la nécessité de créer une sorte de distanciation morale, émotionnelle, une justification idéologique qui s'est faite de toutes sortes de façons. Alors soit les animaux n'existent que pour nous, c'est leur seule raison d'être, soit ils ne ressentent rien, soit ils n'ont pas d'âme, toutes sortes finalement d'excuses qui nous permettent d'avoir relativement bonne conscience tout en continuant à leur infliger des souffrances. Et donc là, de nouveau, c'est une question de raisonnement, c'est une question d'empathie cognitive, d'empathie émotionnelle, de se mettre à la place de l'autre, de s'imaginer ce que ça peut être, et puis de raisonner sur les valeurs fondamentales. Et même si on n'est pas capable de faire un grand bien aux êtres, au moins évitons de leur faire du mal. Quand j'ai sorti l'an dernier ce livre, ce plaidoyer pour les animaux, bon, je connaissais déjà un certain nombre de fausses excuses que l'on met souvent en avant, le principe de la tradition, le principe qu'on a absolument besoin d'une viande carnée, que les animaux se mangent entre eux, etc., etc. Il y en a un, bon, notre ami Jean-Baptiste Jean-Gène Villemer les a bien explicités dans son livre sur l'éthique animale. Il y en a un dont j'ai été surpris parce qu'il m'a été très souvent donné, souvent avec un sentiment de... C'était l'argument irréfutable et qui faisait appel à mon sens de la dignité et de la compassion. C'était, ne trouvez-vous pas indécent de passer du temps à vous préoccuper du sort des animaux, alors qu'il y a la Syrie, alors qu'il y a le Soudan, alors qu'il y a ISIS qui tue des gens en masse. Comment pouvez-vous dire, je vais maintenant passer mon temps à m'occuper des animaux? Mais bien que cela soit fait avec une sorte d'assurance très forte, si on y change, c'est un des arguments les plus ineptes qu'on puisse imaginer. Tout d'abord, cesser de faire souffrir, ça demande une fraction de seconde, c'est-à-dire décider qu'on cesse de faire souffrir. Ça ne demande pas beaucoup d'énergie, a priori. Mais même dans le cas où on se dit comment partager nos occupations, comment partager nos activités, notre temps, nos ressources, on confond des ressources quantitatives avec des ressources qualitatives. S'il s'agit d'avoir un gâteau au chocolat et qu'on doit nourrir soit vos propres enfants, soit un crocodile, a priori, vous nourrissez vos propres enfants, bien sûr. Mais la bienveillance n'est pas une denrée. La bienveillance est une attitude. Et comme disait Lamartine, on n'a pas deux cœurs, un pour les humains, un pour les animaux. On a un cœur ou on n'en a pas. Alors, c'est évidemment un peu extrême comme jugement. Mais ceci dit, la bienveillance n'est pas quelque chose dont nous disposons en quantité limitée, parce que c'est une manière de regarder les autres, avec bienveillance ou avec indifférence ou avec cruauté. D'autre part, pour montrer également l'ineptie de cet argument, le fait de tuer 65 milliards d'animaux terrestres et 1000 milliards d'animaux marins par an, en quoi est-ce que ça fait du bien aux Syriens, aux Soudanais, et en quoi est-ce que ça promeut les droits de l'homme en Chine? En quoi le fait d'arrêter ce massacre en masse ferait nous empêcherait d'une aucune façon de nous préoccuper du sort des Syriens? Et en plus, quand on me disait ça à moi, bon, je ne cherche pas à me vanter de ce que je fais, mais le fait que nous soignons 120 000 patients par an en Inde, au Népal et au Tibet, que récemment, à la suite du tremblement de terre du Népal, nous avons déjà aidé 41 000 personnes dans 165 villages, on ne peut pas dire que le fait de m'intéresser à la cause des animaux empêche nos groupes d'amis qui œuvront pour les humains de faire quoi que ce soit. Et d'autre part, pour montrer à quel point cet argument est spécieux, c'est qu'on ne dit pas aux gens qui font des collections de timbres, qui écoutent France Musique, qui jardinent le dimanche, mais vous êtes une personne abominable. Vous devriez arrêter tout de suite pour partir aider les gens qui souffrent en Somalie. Alors évidemment que si une personne est occupée jour et nuit, si quelqu'un est occupé jour et nuit à s'occuper du problème de la Syrie, mais surtout continuez, n'arrêtez pas une seconde.
Mais pour ceux qui jouent au foot et qui vont se faire dorer sur la plage, je dirais peut-être vous pourriez aussi avoir un peu de considération pour les autres espèces vivantes. Et donc l'idée, c'est que choisir l'un ou l'autre, c'est ça qui est une grande absurdité. Et en fait, ce que je voudrais vous montrer aussi, c'est qu'en fait, la façon dont nous procédons aujourd'hui, tout le monde y perd. Ah, on m'a promis que ça allait marcher, mais au moment crucial... Ah, voilà, alors ça marche trop vite maintenant. Alors d'abord, pour les progrès de civilisation, nous en avons fait beaucoup. Et vous connaissez le livre de Steven Pinker, les gens pensent la violence à Marseille, les Kalachnikovs, etc. On ne peut plus vivre en sécurité nulle part. C'est faux. À Oxford, en 1350, il y avait 100 homicides par an pour 100 000 habitants. Aujourd'hui, c'est 0,6. En gros, en Europe, le nombre d'homicides a baissé 100 fois à 50 fois, sauf en Sicile, 12, on ne sait pas trop pourquoi. La torture, il y a encore beaucoup de torture dans beaucoup de pays du monde et dans beaucoup de prisons, néanmoins, elle est en gros illégale. Le nombre de victimes moyens par conflit dans le monde est passé après la Deuxième Guerre mondiale, de 50 000 à 1 000. Il y a des conflits terrifiants, mais vous prenez la situation globale, ça a diminué. Le nombre de la violence domestique, la plus grande forme de violence au monde encore, malgré tout, mais la violence vis-à-vis des enfants aux États-Unis a diminué de moitié en 20 ans. Et pourtant, comment se fait-il que si peu de violence vis-à-vis des autres êtres sensibles ait diminué? Ça, c'est vrai que, bien sûr, la libération animale a été un moment, un grand tournant dans notre histoire vis-à-vis de tout cela, mais malgré tout, vous avez encore 70 000 poules gérées par une quinzaine de personnes enfermées dans de telles conditions, tout ça effectivement pour produire des œufs soi-disant bons pour la santé. Vous avez évidemment le se divertir, alors tuer devient un art, on ne demande pas beaucoup au taureau ce qu'il pense de l'art lui-même. On est vêtu de la souffrance d'autrui, c'est ça qu'on peut dire, hein. Cette publicité de PETA qui montrait un défilé de mode avec du sang qui s'écroulait d'une fourrure, mais c'est simplement relier la cause avec l'effet. Quelqu'un m'a parlé encore une fois aujourd'hui de la bile. Il y a des milliers d'ours qui restent comme ça pendant des dizaines d'années jusqu'à ce qu'ils meurent dans des cages pour qu'on leur enlève la bile, soi-disant avec des propriétés thérapeutiques. Il y a des fermes de tigres en Chine avec 2000 tigres pour avoir leurs os, leurs moustaches et leurs crocs. Il y a bien sûr toute cette production de fourrure, comme vous pouvez le voir. Le son n'a pas l'air de sortir. Voilà. Donc des animaux qui normalement sont toujours en liberté. Et vous voyez ce qu'il devient d'eux avant d'être écorchés vifs pour avoir de la fourrure. Alors en France, 50 millions de poussins mâles ne sont pas utiles. Donc qu'est-ce qu'on en fait? Vous allez voir. On les broie et on en fait de la pâté ronron et autres trucs pour les animaux de compagnie. On a parlé, vous avez parlé de la séparation entre une mère et ses enfants. Et ça, c'est tous les jours, tout le temps, partout, en nombre incalculable. Et puis, vous avez, alors on parle aussi, est-ce qu'il y a vraiment une souffrance psychologique? Est-ce que les animaux comprennent vraiment? Est-ce qu'ils ne sont pas simplement dans le moment présent, qu'ils ne perçoivent pas ce qui va se passer? Regardez ça. Il n'y a pas des effusions de sang, mais vous allez voir à quel point on se rend compte de cette perception qu'ils sont acculés ainsi à la mort. N'est-ce pas là ériger le droit du plus fort en règle morale? Il y a des gens qui vous disent « j'aime les animaux, je ne peux pas voir ça ».
Ça s'appelle la détresse empathique. C'est une manière égocentrée de ressentir la douleur de l'autre. Il faut une manière centrée vers les autres de ressentir la souffrance de l'autre. C'est-à-dire que ça doit développer le courage de la compassion, la détermination à remédier à ces injustices, à ce qui est inacceptable moralement. Parce que sinon, évidemment, on ne souhaite pas exposer à tout ce qui se passe de cette façon. Donc, je vous disais, 65 milliards d'animaux terrestres, ça fait quand même 7 millions par heure. 1000 milliards, c'est un trillion, ça fait 115 millions d'animaux marins par heure. Alors, qui sont-ils, ces animaux? Sont-ils si différents de nous? Alors, évidemment, c'est de nouveau une forme de spécisme, de se dire, alors, tant que la mesure où ceux qui nous ressemblent le plus, alors peut-être ceux-là, on devrait faire une exception. Alors évidemment, les grenouilles, les vers de terre, tout ça, ça compte pas du tout. C'est certain que nous sommes, il faut bien faire des pas dans cette progression de se mettre à la place de l'autre. C'est certain que trouver des ressemblances, ça peut nous ouvrir l'esprit, notre imagination au fait que ben, si je souffre, il souffre, et si je ne désire pas ne pas souffrir, eux non plus. On retrouve ici les mêmes sentiments que nous avons de protection vis-à-vis des êtres vulnérables, de nos enfants, l'émerveillement devant quelque chose qui a un aspect du beau, la fierté de la mère d'avoir son petit bébé. Alors évidemment, des fois, on n'est pas sûr de qui traite mieux l'autre. Ce n'est pas toujours garanti d'ailleurs. Mais en même temps, oui, c'est sûr que c'est bien comme une première étape. Mais après tout, tout le monde ne réagit pas de la même manière, tout le monde ne nous ressemble pas. Le problème de la douleur chez les poissons a été longtemps évincé parce qu'ils n'ont pas d'émotion faciale. Alors on dit, il ne faut rien sentir, regarde, ils ne font pas la grimace, ils ne sont pas là à se tordre de douleur, jusqu'au moment où on s'est aperçu qu'ils avaient encore une fois toutes les terminaisons nerveuses et les neurotransmetteurs de la douleur. Et l'évolution étant extrêmement, je dirais, minimaliste, si elles ont tout ça, c'est bien parce qu'ils ressentent de la douleur. Mais quand même, c'est parfois assez bon de nous remettre un peu les choses en place. Ici, c'est Tetsuro Matsuzawa, qui est un des grands éthologues, et qui a montré, par exemple, que pour le calcul mental, les chimpanzés nous battaient sur toutes les coutures. Alors, regardez un peu comment ça se passe. C'est un documentaire d'Arte sur l'intelligence animale. C'est une tâche sans aucun problème. Cela ne lui prend que 5 centièmes de seconde, avec un risque d'erreur n'excédant pas 20%. Ayumu a-t-il une meilleure mémoire à court terme des chiffres? Donc il faut qu'on retrouve les chiffres dans le bon ordre. Et à chaque fois, ils apparaissent sur des chiffres différents qui apparaissent sur l'écran. Ensuite, ils doivent les placer sur des carrés et les nombres disparaissent. Alors vous prenez les meilleurs étudiants. Les chiffres affichés sur l'écran n'apparaissent qu'un court instant avant d'être masqués par des carrés blancs. Pour classer 5 chiffres, il faut au moins 20 centièmes de seconde au cerveau des humains. Alors Kayumu n'a besoin que de 5 centièmes de seconde pour 15. Alors déjà, c'est sûr que pour sélectionner un professeur d'université, l'intelligence certainement compte. Et on voit d'ailleurs pour ce calcul mental, les chimpanzés nous battent à plate couture. Mais quand il s'agit d'éviter la douleur, ou bien par exemple de faire une migration de 10 000 km comme font les barges rouges d'Alaska qui vont en Nouvelle-Zélande non-stop en se guidant sur les étoiles, nous on serait bien incapables de faire ça. Donc chacun a les capacités qui lui permettent de survivre, et relativement, pourquoi dire que l'une est supérieure à l'autre, en principe, ça n'a guère de sens. Ceci dit, si on veut se dire, ah oui, mais c'est les chimpanzés, ils sont proches de nous, ben voilà, la cordée de Nouvelle-Calédonie, elle a inventé le crochet, ce que l'être humain n'a inventé qu'il y a 30 000 ans environ. Elle utilise des crochets naturels, elle les façonne également, et elle est capable d'inventer l'usage d'outils qu'elle n'a jamais utilisés dans la nature. Vous voyez ici. C'est placé sur une petite plateforme retenue par des aimants. Le corbeau n'a qu'à pousser cette plateforme avec son bec pour se régaler. Mais voilà qu'un cylindre transparent vient l'empêcher de reproduire ce mouvement. Il doit donc faire un nouveau détour pour résoudre le problème. Comprend-il vraiment les lois de la physique ?
Donc, dans la nature, ils n'utilisent jamais ce genre de choses. Donc, il a improvisé ça sur le moment. Ce n'était pas un dressage la première fois. Alors, tout ça, donc, ça nous mène à réfléchir. Nous sommes confrontés à de nombreux défis dans notre monde. Faut-il vraiment choisir entre le bien-être animal et le bien-être des êtres humains ou inclure tous dans la sphère de notre bienveillance? Alors, ces défis, bien sûr, ce sont les défis que l'on voit autour de nous, la précarité au sein de la richesse, c'est quelque chose auquel nous devons prêter attention. Mais il est clair que même si nous ne sommes pas aussi conscients que nous devrions l'être de la souffrance et du sort des animaux, l'idée que tout le monde y perd, peut-être comme un moyen habile, pourrait nous amener à revoir notre attitude vis-à-vis de notre environnement en général. On parle des limites planétaires, d'un certain nombre de facteurs qui déterminent l'avenir de la biosphère et aussi des générations futures et des 1,3 million d'espèces animales. Et en 1900, nous étions largement au sein de ces limites de sécurité qui peuvent permettre à la biosphère de continuer à prospérer dans ce climat extrêmement stable qui est celui de l'Holocène. En 1950, vient la grande accélération pour le changement climatique et pour d'autres facteurs. Aujourd'hui, en 2010, nous avons largement dépassé les limites de sécurité. Pour ne donner qu'un seul exemple, celui de la perte en biodiversité, d'ici 2050, au rythme actuel d'extinction des espèces, 30% de toutes les espèces sur Terre auront disparu. C'est la sixième grande extinction depuis l'apparition de la vie sur Terre, après celle des dinosaures, qui était la cinquième, et de nombreuses autres espèces. Donc ça, c'est un bouleversement total de l'ensemble de la biosphère. Ce n'est pas seulement quelques espèces rares de grenouilles ou d'insectes, c'est tout le monde, bien sûr, qui sera intimement concerné. Les glaciers fondent, ici je suis au Bhoutan devant un glacier, 2000 glaciers fondent dans l'Himalaya, et nous voyons cette grande accélération en 1950, c'est tous les facteurs, et ceci c'est le dioxyde de carbone, mais c'est vrai pour la consommation d'eau douce, la déforestation. Vous voyez ici l'extinction des espèces. Et puis le méthane, vous avez dit qu'effectivement le méthane est 20 fois plus actif pour le gaz à effet de serre dans l'atmosphère, et le méthane aujourd'hui vient principalement de l'élevage industriel, de toute la chaîne de production qui mène à l'élevage industriel. Le dernier rapport de la FAO et du GIEC parle de 15%, donc c'est bien le deuxième facteur de gaz à effet de serre après les habitations et avant les transports. Donc ça, c'est dû à cette disproportion phénoménale dans la consommation de viande, 120 kg par an par habitant aux États-Unis, c'est 3 kg en Inde, 5 à 7 en Afrique, 80 en moyenne en Europe. Pour une raison que je ne connais pas, le Luxembourg est le record du monde avec 135 kg par an par habitant. Toujours est-il que ça, c'est une chose où tout le monde y perd, effectivement. Je vous ai parlé du nombre, en premier, bien sûr, les animaux, mais aussi la pauvreté dans le monde, si on ne s'intéresse qu'aux humains, ce qui est une erreur, mais certains le font, puisque 750 millions, d'abord, il faut 10 kg de protéines végétales pour produire 1 kg de viande. Ensuite, 1,4 milliard de personnes, c'est le nombre de qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté, pourrait être nourri avec 675 millions de tonnes de grains utilisés pour l'élevage destiné à la production de viande, donc parce qu'ils viennent d'Amérique du Sud et d'Afrique. D'autre part, même si on change uniquement la santé humaine, des grandes études épidémiologiques portant sur 100 000 personnes sur 10 ans montrent que la consommation quotidienne de viande par rapport à ce qu'elle mange une fois ou pas par semaine, eh bien, augmente, comme vous le voyez ici, environ de 18 à 20% la mortalité cardiovasculaire et également celle du cancer. Donc, tout le monde y perd, les animaux en premier, la santé humaine en deuxième, les générations à venir en troisième, les pays pauvres en dernier. Alors, pourquoi ? Pourquoi ce hiatus ? Pourquoi cette incohérence morale ? Est-ce parce que nous sommes, comme le disait Freud, principalement de la racaille ? Est-ce que parce que nous sommes fondamentalement portés à uniquement l'égoïsme ? Est-ce que c'est la théorie de l'égoïsme universel qui serait vraie ? Ça semble peu probable, malgré tout. Nous avons tous eu des moments d'amour inconditionnel, de bienveillance. Simplement, nous la limitons à ceux qui nous sont chers, ceux qui sont proches, ceux qui sont sous notre responsabilité. Pourtant, la coopération est une des manières les plus qui apporte le plus de satisfaction chez les êtres humains, et pas seulement chez les êtres humains, bien sûr. Si nous avons hérité de cette faculté, c'est bien parce que pendant des millions d'années, cette tendance s'est formée chez les autres. Il y a évidemment la lutte pour la vie, la survie de celui qui est le plus près.
Mais il se trouve que les récentes études dans l'évolution montrent que la coopération a été beaucoup plus créative pour atteindre des degrés croissants de complexité que la compétition au sein de l'évolution. On voit à quel point l'importance des liens, la qualité des liens entre les êtres humains est un des facteurs essentiels de notre joie de vivre, de notre satisfaction dans la vie, et cela ne se limite pas non plus, comme vous le savez, aux êtres humains. D'autre part, le fait d'être ensemble tout autour de notre vie, cette richesse de la vie communautaire est meilleure pour la longévité, pour la santé, moins d'addiction. Nous avons aussi cette tendance à venir en aide aux autres, mais pour ceux qui imagineraient qu'il n'y a que les êtres humains qui en sont capables, regardez celui-ci, il a un choix, évidemment. Et ce choix, il est clair. Il y a l'empathie, bien sûr, qui nous renseigne sur la situation de l'autre et qui mène à l'amour altruiste. Alors, comment essayer de faire des progrès dans ce sens-là? Tout d'abord, de se dire que la bienveillance n'a aucune raison de connaître des limites. Pourquoi restreindre? On peut se dire, oui, mais je suis responsable davantage de mes enfants, de ceux qui me sont proches. Bien sûr, le soleil peut briller sur tous. Il se trouve qu'il y a des gens qui, pour les situations, les circonstances de l'existence, sont plus proches de vous, qui reçoivent davantage de chaleur et de lumière, mais ce ne devrait jamais, jamais être au prix d'exclure les autres êtres. Et d'ailleurs, si vous vous contentiez de rétrécir les rayons du soleil vers ces quelques êtres privilégiés, en fait, finalement, vous leur accorderiez une bienveillance plus étriquée, de moins bonne qualité, parce qu'elle a perdu en qualité. Et donc, en aimant aussi les animaux, vous aimez finalement mieux les hommes et non pas moins bien. Et donc, c'est cette idée que la compassion et la bienveillance est véritablement fondée sur la reconnaissance de ce désir fondamental de ne pas souffrir et, si possible, de vivre l'étendue de la vie que nous pouvons espérer. Et c'est cela que nous devons reconnaître, une prise de conscience. Il ne faut pas détourner les yeux des souffrances, favoriser la coopération, favoriser une harmonie durable avec l'environnement, étendre l'altruisme aux autres espèces, oser l'altruisme, on dire que ce n'est pas une noble utopie, un simple luxe qu'on peut se permettre, mais une attitude dans la vie qui doit s'étendre à tous les êtres sensibles. Merci de votre attention. Vous le connaissez très bien, il est journaliste de télévision et de radio, ancien grand reporter de guerre. Il a couvert de nombreux conflits, parmi lesquels ceux du Kosovo, de l'Afghanistan, de la Côte d'Ivoire, du Congo et encore de l'Irak. Qui a lu son ouvrage? Je suis sûr que vous êtes nombreux à avoir lu No Stake. Qui a lu son... Voilà, donc pratiquement l'intégralité de la salle. Il explique pourquoi un jour la viande disparaîtra. Et pourquoi un jour l'humanité deviendra végétarienne. Il est également l'auteur de Incorrect et envoyé spécial et chroniqueur à On n'est pas couché. Eh bien, nous ne sommes pas couchés non plus. Aymeric Caron, merci de l'applaudir. Alors. Peut-être, si vous permettez, parce qu'Aymeric préfère le faire sous forme d'interview. C'est une habitude donc, professionnelle. Voilà, c'est un peu ça. Donc moi, 20 minutes, si vous voulez, de questions qui vont brosser des questions que vous voulez peut-être tous poser. Puis quelques questions plus spécifiques. Pendant 25 minutes, je viendrai dans la salle. Est-ce que ça vous va, ça? C'est parfait. Perfect. Alors, la fin de la viande? C'est une question, ça? Finalement, tu me demandes quand même de faire un exposé. La fin de la viande, point d'interrogation. Là, je peux faire un exposé de 5 heures. La fin de la viande, oui, moi j'y crois. C'est effectivement le thème du livre No Stake. Je pense que ce sera l'une des évolutions fondamentales, essentielles de l'humanité dans les siècles à venir. Pourquoi? Tout simplement parce que c'est la réponse logique aux exposés brillants que nous avons entendus en début d'après-midi de Peter Singer et de Mathieu Ricard, qui ont très bien exposé toutes les données du problème. À savoir qu'aujourd'hui, d'un point de vue moral, tout nous pousse à arrêter de manger des animaux, à faire souffrir inutilement des êtres sensibles et intelligents.
La prise de conscience a commencé auprès de certains d'entre nous. Le chemin va être long, mais je suis sûr absolument que le mouvement est enclenché. Où est-ce qu'on en est par rapport à cette recherche? Moi, vous vous rappelez de ces burgers qui sont faits de viande, mais à partir de cellules, de cellules, ouais, etc. Il y a un an, quand j'ai vu ça, je me dis, c'est vraiment la solution. Dans 20 ans, il y aura des burgers, mais où on ne fait pas souffrir l'animal, mais où ça provient quand même de la viande. Où est-ce qu'on en est? Est-ce que c'est une solution valable ou est-ce qu'il faut rejeter ça? Non, il n'y a pas de raison en particulier de le rejeter. Après, on peut s'interroger sur l'utilité d'une telle démarche. Alors aujourd'hui, c'est vrai que des steaks de viande, mais à partir de cellules in vitro, ça existe. Enfin, ça existe dans un labo, mais ça doit être à peu près 200 000 euros le steak. Donc, je crois que peu d'entre nous peuvent se l'offrir. Et c'est même pas bon, apparemment. Si vous voulez, vous avez le choix entre un voyage dans l'espace ou un steak. Vous choisissez quoi pour le même prix? Non, mais pas loin, quoi. Non, mais... Alors, on peut s'interroger, c'est drôle, parce qu'effectivement, on peut se dire que ça peut être l'une des solutions. Mais ce qui est intéressant dans la démarche, c'est de savoir pourquoi, finalement, chercher une alternative à la viande qui, elle, soit encore basée sur la viande, même si on ne tue plus d'animal, à savoir des cellules. Alors qu'on se rend compte qu'aujourd'hui, on a toutes les solutions alternatives à la viande qui sont déjà à notre disposition. Certaines d'entre elles, d'ailleurs, ne sont pas... Mais c'est le même débat que le vaping, non, pour ceux qui fument. C'est une solution qui aide à... Je ne me rends pas bien compte. Je ne me rends pas compte. Je ne pense pas, dans la mesure où ceux qui disent adorer la viande et disent ne pas pouvoir s'en passer, affirment notamment que c'est à cause de la sensation, à cause du goût, à cause de l'onctuosité, à cause de telle ou telle nuance, en tout cas, qu'ils éprouveraient en mangeant de la viande par rapport à un steak végétal. Or, les steaks, justement, à base de cellules qu'on a essayé de fabriquer jusqu'à présent, apparemment présentent aujourd'hui notamment le défaut de n'avoir pas beaucoup de rapport gustatif, en tout cas, avec un morceau de viande tiré d'un animal. Donc, je ne suis pas sûr. Moi, je crois que ça peut être, en tout cas, une forme de transition intéressante. C'est-à-dire que c'est vrai qu'il va y avoir une phase de transition pour passer de la société avec de la viande à la société sans viande, qui va devoir passer par des moyens comme ça, un petit peu, pas factices, mais en tout cas des moyens qui aident les gens moralement à faire cette transition. On pose souvent la question de savoir aussi pourquoi, dans les chaînes de magasins qui proposent des produits alternatifs à la viande, on se retrouve avec des steaks végétaux où c'est marqué, alors notamment, on ne trouve pas tellement ça en France, mais on trouve ça beaucoup à l'étranger, dans les pays anglo-saxons notamment, où là, il y a vraiment des marques qui ont énormément développé le concept. On va se retrouver avec du faux poulet, avec du faux bœuf, avec des... Voilà, des tas. À chaque fois, on a un nom d'animal qui est transformé en une alternative végétale. On dit, mais pourquoi? Alors, c'est vrai qu'il y a sans doute cette transition psychologique à faire aussi dans la tête des gens. Et c'est tout à fait logique, parce que finalement, nous sommes sans doute la première génération, même s'il y a plusieurs générations dans cette salle, mais en tout cas, on va dire, globalement, ça fait quoi, 20, 30, 40 ans maximum que vraiment il y a ce mouvement qui est enclenché pour penser à une alimentation sans animaux comme un système global et général. Donc c'est nous, un peu, d'une certaine manière, les précurseurs. Donc c'est logique qu'il y ait toute cette transition qui soit très longue à mettre en place. Alors parlons un peu des médias, parce que vous travaillez comme moi dans les médias, c'est difficile de parler de certaines choses. Moi, c'est l'Europe. C'est extrêmement difficile de parler de ça, parce que l'image n'est pas très bonne. L'image du végétarisme, des végétariens, du véganisme aussi, est-ce qu'on s'y prend mal? Est-ce que c'est la faute aux journalistes? Est-ce qu'il y a un problème d'image de marque? Bien sûr. Oui, un problème, c'est très intéressant. Je pense même que d'ailleurs, ça fait partie des axes très importants sur lesquels on doit tous travailler. Alors, les journalistes sont responsables, oui et non. Je leur en veux pas tant que ça, parce que je crois que c'est Peter qui disait tout à l'heure que les médias, finalement, reflètent. Les médias sont jamais en avant, hein. Ils sont jamais annonciateurs. C'est jamais eux qui vont prévoir ce qui va se passer. Ils se contentent d'être un écho de ce que certains font. Donc, ils sont toujours en retard, d'une certaine manière. Donc, si les médias reflètent une image des végétariens et des végétaliens qui n'est pas toujours extrêmement positive, c'est sans doute que nous avons notre propre examen de conscience à faire sur la manière dont nous parlons de ces sujets-là. Et il y a effectivement l'idée... Moi, j'avais commencé le livre « Nos steaks », je crois que c'est la première page où je dis, en gros, que le végétarien ne fait pas rêver parce qu'il est triste, il a le teint pâle, on a l'impression qu'il vit encore il y a 60 ans sur un plateau du Larzac. Et bien évidemment que ça fait du tort à la cause des végétariens parce que beaucoup de ceux qui ne connaissent pas bien le sujet imaginent qu'être végétarien ou végétalien, finalement, c'est être dans une forme d'ascèse extrêmement triste, c'est refuser les progrès du monde, c'est vouloir s'exclure de ce monde,
c'est s'exclure de la fête, finalement, la fête à laquelle participent tous les autres, notamment en se réunissant régulièrement autour de bons festins où on mange de la viande. Voilà. Et je pense que l'un des axes essentiels aujourd'hui pour essayer de faire progresser la cause du végétarisme, du végétalisme et de manière beaucoup plus générale la cause des droits des animaux, puisque c'est bien ça dont il est question, c'est montrer que justement c'est tout l'inverse. Il faut inverser complètement ce rapport. Montrer que manger de la viande, c'est ça qui est aujourd'hui devenu complètement ringard. C'est ceux qui vivent dans le passé, c'est ce que c'est complètement réactionnaire. Et que la modernité aujourd'hui, voir plus loin, imaginer vraiment le monde de demain, c'est justement se préoccuper des droits des animaux et être végétarien ou végétalien. Je reviens un peu avec mes questions un peu provocatrices, mais est-ce qu'il y a un problème d'image ? J'aime pas ça, les questions provocatrices, mais attention. Justement, c'est pour ça que c'est plus fun. Est-ce qu'il y a un problème d'image, du militantisme ? Est-ce qu'il ne faudrait pas prendre les choses autrement ? Je pose la question parce que, par exemple, on vend, vous allez tous rire parce que l'alimentation britannique, etc., mais on vend dans les pubs, c'est clair et net, la bouffe autrement aux Britanniques qu'aux Français. Aux Britanniques, c'est des questions de santé. C'est rarement parce que ça a bon goût. En Allemagne, c'est exactement ça. En France, c'est parce que c'est délicieux, etc. Ou pour les rondeurs, ou pour Ransfeld, etc. Mais donc, il y a des arguments différents dans chaque pays. Comment est-ce qu'on peut s'y prendre pour rendre le végétarianisme plus sexy en sachant qu'on vend des choses différemment dans différents pays ? Est-ce qu'il y a un problème avec les militants aussi ? Est-ce qu'il y a une mauvaise image Pour rendre sexy le végétalisme, il faut demander par exemple à PETA, qui avait fait, je crois, une très belle campagne il y a quelques années avec des acteurs porno et des fruits et des légumes. Je vous laisse imaginer le genre de campagne. Mais en tout cas, au moins, ça avait le mérite d'être extrêmement moderne et d'être très sexy, pour le coup. Mais est-ce que c'est... Enfin, pas porno, mais je veux dire, est-ce associer ça au plaisir, est-ce que c'est pas ça ? Mais bien évidemment. C'est-à-dire que... Alors, votre question comporte beaucoup de questions en réalité. D'abord, elle parle des différences entre la France et les autres pays. Elle parle aussi d'une autre chose, c'est le militantisme. Comment on fait pour faire progresser ? Comment on s'y prend ? Donc, c'est deux axes un peu différents. Dans Nostec, j'ai essayé d'expliquer les différentes raisons qui vont amener, selon moi, la société à devenir végétarienne un jour. Et c'est vrai que je parle des raisons sanitaires, des raisons environnementales. Donc, effectivement, dire aux gens, mais mangez moins de viande parce que ce n'est pas bon pour votre santé, comme Mathieu l'a rappelé tout à l'heure en montrant des études indiscutables sur les maladies cardiovasculaires ou sur les cancers. Bon. Et ça, c'est vrai que c'est un argument qui va toucher des gens qui ne sont pas forcément extrêmement attentifs à la cause animale. Après, il y a des gens qui s'intéressent à l'environnement qui, eux aussi, vont être touchés par le fait qu'effectivement, la consommation de viande, enfin, la production de viande a un impact énorme sur, par exemple, les émissions de CO2. Tous ces éléments-là sont complémentaires et doivent être mis en avant spontanément parce qu'il me semble que les changements de société, les vrais changements de société, les changements extrêmement importants, se font rarement, en tout cas ne débutent pas, par un déclencheur éthique ou moral. Hélas, malheureusement, ceux qui bougent d'abord vont bouger pour d'autres raisons, des raisons beaucoup plus pragmatiques et notamment des raisons financières ou commerciales. C'est pour ça que je crois que l'un des leviers extrêmement importants, c'est l'argent, c'est-à-dire le pouvoir du consommateur. Nous sommes tous, avant tout, aujourd'hui, des consommateurs. Et dans la société qui est la nôtre aujourd'hui, si on doit s'interroger sur notre capacité à faire changer les choses, être militant des droits des animaux, c'est pas seulement, mais c'est essentiel, bien évidemment, de continuer à aller dans la rue, de signer des pétitions, de faire des actions parfois choc, des actions parfois un peu clandestines, tout ça, c'est essentiel. Mais je crois qu'être militant, c'est être un consommateur différent. Parce que la société qui est la nôtre aujourd'hui a considérablement réduit le pouvoir du citoyen électeur. Quand on met un bulletin de vote aujourd'hui dans l'urne, on a le sentiment que, hélas, ça ne change pas grand-chose. Que la démocratie, en tout cas, dans les faits, n'est pas du tout la démocratie telle qu'elle est édictée dans les textes ou telle qu'elle nous a été vendue dans les livres d'histoire. En revanche, le pouvoir aujourd'hui, il est financier. Et donc, chacun d'entre nous, lorsqu'il va faire des choix sur sa manière de consommer, d'acheter telle ou telle chose, va avoir une influence considérable sur la manière de faire bouger les choses. Très concrètement, si de moins en moins de gens vont dans les boucheries ou dans les supermarchés pour acheter de la viande, à un moment, ça va obliger les industriels à se poser des questions et à imaginer les choses autrement. Si les gens ne vont plus dans les animaleries pour acheter des animaux, et bien à un moment, le commerce forcément va décliner et les gens vont être obligés, là encore, d'imaginer d'autres choses. En ce qui concerne maintenant l'attitude du militant en lui-même,
Il y a aussi, je pense, quelque chose à imaginer dans l'évolution, c'est que lorsqu'on se bat pour une cause qui nous est chère, comme celle des animaux, lorsqu'on voit des images absolument insoutenables, comme celle que Mathieu a diffusée tout à l'heure, bien évidemment, on ne peut avoir qu'une seule envie, c'est de réagir extrêmement fermement, de crier très fort son message, avec rage, de s'opposer sans aucune nuance à tous ceux qui n'auraient pas compris l'urgence absolue du combat, qui est celui du combat pour les droits des animaux. Ça peut aussi, malheureusement, même si des réactions comme ça, extrêmement épidermiques, sont nécessaires, importantes, ça peut aussi parfois être un peu contre-productif, dans la mesure où je pense qu'il faut absolument créer les conditions du dialogue avec ceux qui ne sont pas au même point dans leur réflexion. Tout ce qu'on a à bouger et à faire bouger dans la société française aujourd'hui est tellement énorme qu'on ne peut pas exiger de ceux qui n'en sont pas arrivés aux mêmes conclusions que nous sur l'importance des droits des animaux, on ne peut pas exiger d'eux qu'ils changent complètement d'attitude et de comportement du jour au lendemain. Donc moi, quelqu'un en face de moi qui me dit simplement « Tiens, j'ai réfléchi, je vais commencer à manger moins de viande. Bah, » déjà, je trouve que c'est une victoire. Quelqu'un qui me dit « Je n'avais pas imaginé cela, tiens, ça me fait réfléchir. Ben, je vais devenir végétarien. Pour le végétalisme, on verra plus tard. » Bien sûr, le végétalien ou le vegan va trouver que c'est un petit bras, le végétalien. Il va dire « Oh là là, c'est pas un vrai militant, lui. C'est un type qui n'ose pas vraiment. » Et ben pourtant, si. Je trouve que cette personne... Le plus important, c'est qu'il y ait dans chacun de ceux à qui on peut parler un mouvement qui se crée, une prise de conscience. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à créer des ponts, des passerelles avec tous ceux qui peuvent être utiles à la progression de ces idées. Est-ce que souvent, ça passe par des chemins... Parce que souvent, ça passe par des chemins inattendus. Parce que pendant que vous parliez, je pensais à un exemple, ça m'est venu en tête, pour le militantisme gay, par exemple, en Grande-Bretagne. Ouais. La personne, vous savez qui est la personne qui a fait le plus pour le militantisme, à mon avis, gay, en Grande-Bretagne, c'est en 1997, David Beckham, joueur de foot, ouais. Parce qu'il était sur la couverture d'un magazine et quelqu'un lui a posé la question à une émission de la BBC, lui a dit... Mais ça ne vous ennuie pas que des hommes aussi vont vous trouver beau. Et il a dit, moi, ça ne m'ennuie pas du tout, je trouve c'est même très bien. Le fait que David Beckham, grand footballeur, etc., il dit ça, ça fait plus pour le militantisme et la cause gay. Est-ce qu'il faut peut-être faire appel à des, je sais pas, à des gens inattendus qui disent, je suis devenu végétarien pour faire bouger des chanteurs de... Bien sûr. C'est comme ça que ça marche, peut-être. Mais ce n'est pas peut-être, je suis absolument d'accord avec votre analyse. C'est extrêmement important. Pourquoi ? Parce que ce dont je me suis rendu compte, c'est que les idées sont portées à la fois par des philosophes, des penseurs qui font le travail de base, par des militants qui vont sur le terrain, là encore, pour recueillir les informations. Et là, c'est 90% du travail est fait à ce niveau-là. Mais il reste 10%, c'est-à-dire diffuser l'information au plus grand nombre. Et ces 10%-là du travail sont essentiels. Si ces 10%-là n'existent pas, malheureusement, tout le travail des militants, des philosophes, des penseurs, etc., est non pas réduit à néant, mais en tout cas, ne peut pas avoir la portée qu'il devrait avoir. Et ce travail de communication, aujourd'hui, passe par des porte-paroles, en tout cas des gens emblématiques, qui vont donner l'impression, pas l'impression, parce que ce n'est pas une impression, c'est une vérité, qui vont expliquer au public que finalement, les idées qui sont portées sont des idées qui concernent tout le monde. Et que... En effet, ça ne se limite pas à un petit noyau de gens qui seraient un petit peu différents, qui auraient une conception du monde différente, qu'il faut laisser entre eux. Quand David Beckham exprime cela, joueur mondialement connu, hétérosexuel, c'est lui qui va normaliser complètement, il va dire à des tas de gens qui ne se seraient pas du tout intéressés à ces questions-là, il va dire « Ah bon, effectivement, si Beckham, qui n'a aucun intérêt particulier à dire ça, le dit, c'est qu'il y a peut-être quelque chose d'intéressant. » En ce qui concerne le végétarisme et le végétalisme, c'est exactement la même chose, ou les droits des animaux en général, puisqu'on n'est pas que sur les questions de végétarisme et de végétalisme, j'ai bien constaté que si on est un personnage public, qu'on est connu pour autre chose que le combat pour les droits des animaux, notamment dans des domaines intellectuels, et tout à coup on s'exprime sur les droits des animaux, les gens vont avoir un regard différent sur cette question. Je pense à quelqu'un comme François-Olivier Gisbert, journaliste, écrivain, connu pour son travail politique d'analyse politique depuis des années, et qui tout à coup, depuis quelques années, décide de mettre en avant ses convictions pour l'amour des animaux. Et on constate que lorsqu'il est sur un plateau de télé, tout à coup il dit « je suis végétarien, c'est scandaleux ce qu'on fait aux animaux dans les élevages, dans les abattoirs, etc. » Tout à coup on se constate que ça a un impact absolument énorme. Et il y a eu pendant longtemps en France
une espèce de méprise sans doute due au fait que les seules personnes qu'on allait interroger sur les droits des animaux, sur l'amour des animaux, étaient des personnes qui ont fait un travail essentiel, fondamental, mais qui étaient souvent limitées au milieu du spectacle, de l'amusement. Et donc, on avait toujours cette idée derrière la tête que oh, c'est bien, c'est gentil, mais c'est pas très sérieux finalement. C'est pas, voilà, c'est crédible, mais jusqu'à un certain point. Et je crois que là encore, il y a quelque chose qui est en train de changer. C'est-à-dire que le fait que des personnalités qu'on n'attendait pas forcément sur ces questions-là s'expriment et prennent position, c'est absolument essentiel si on veut que les droits des animaux progressent chez nous. Et comment mieux impliquer les... Comment mieux impliquer les députés et la classe politique ? Moi, j'animais il y a un an à peu près un séminaire sur l'éthique et l'animal. C'était avec Chantal Joanneau et on parlait beaucoup du statut de l'animal. Et j'étais très content de voir que quelques mois après, que le statut de meuble avait changé en France. Alors, c'est pas tout à fait le statut de meuble, ça, il y avait une petite erreur. C'était le code civil. Qui spécifiait, contrairement au code rural et au code pénal, que l'animal était un bien meuble ou immeuble. Alors effectivement, on nous a raconté que ça voulait dire que dans le code civil, l'animal était une chaise. C'est pas ça que ça voulait dire. Ça voulait dire simplement que c'était un bien qui pouvait bouger. Oui, ça a bougé des choses. C'est très bien, si vous voulez, que le statut ait bougé. C'est une espèce de cohérence par rapport aux deux autres codes. Malheureusement, dans les faits, ça ne change absolument rien. Ça a permis à certains politiques en France de dire « Regardez, ça évolue, ça bouge et tout. » Ben ouais, mais concrètement, il n'y a rien qui bouge. Parce que ça ne peut bouger que si tout à coup, l'animal n'est plus considéré comme un bien qu'on peut acheter et qu'on peut exploiter et qu'on peut utiliser comme un objet. Et là, ça n'a absolument rien changé, ça n'a pas bougé. Il y a des lois qui existent en plus déjà aujourd'hui qui reconnaissent la sensibilité de l'animal, qui reconnaissent l'interdiction de faire souffrir les animaux. On peut être condamné aujourd'hui si on maltraite, si on tue un animal, on peut être condamné à aller en prison. Le problème, c'est que ces lois ne sont absolument pas respectées. Puisqu'on constate que le système agroalimentaire industriel, par exemple, est en totale incohérence avec les lois qui ont été édictées. Donc voilà, c'est plutôt ça qu'il faudrait aujourd'hui essayer de changer. Comment est-ce qu'on peut gérer les contradictions qu'il y a souvent dans ces affaires-là ? Je vous pose ces questions parce que je ne sais pas si en France, je ne sais pas si ça s'est passé cette semaine, ce reportage sur une radio, je crois que c'était en Australie, où on a tué un lapin en direct. Vous avez vu ça ? Et où est-ce que c'était ? Au Danemark, oui, voilà. Donc un animateur a tué un lapin en direct pour sensibiliser les auditeurs, mais c'était filmé, donc c'était vraiment ça, ce n'était pas des effets sonores. Pour donner donc le lapin à ses enfants après, mais pour sensibiliser les gens sur le fait qu'on faisait souffrir les animaux. Cela dit, quelque part, c'est vrai que cette semaine, on en a beaucoup parlé dans les médias de ça. Enfin, c'est une question pour Peter Singer. C'est une question philosophique. Entre les déontologistes, les utilitaristes, effectivement, je me suis posé la même question que vous, c'est-à-dire sur cet acte qui absolument en soi scandaleux, mais qui en effet pose une question très intéressante. Et comment vous expliquez que les gens s'émeuvent sur ce cas-là et ils s'émeuvent pas du tout sur la souffrance d'autant d'autres animaux qu'on nous cache, c'est ça le truc ? Il y a beaucoup d'explications, c'est-à-dire que bon, on a parlé également tout à l'heure avec notamment Mathieu. Il y a le fait que beaucoup de la souffrance animale aujourd'hui dans le monde est cachée de ceux qui en profitent. Quand je dis de ceux qui en profitent, c'est-à-dire des consommateurs que nous sommes, c'est-à-dire qu'on veut bien manger, se vêtir, etc., mais on ne préfère pas trop savoir la provenance des objets que l'on porte ou de la bouffe qu'on consomme. Donc ça, c'est la première explication. Donc, si on vous met sous les yeux les images d'un animal qui est vraiment torturé, on constate quand même que la grande majorité des personnes réagit très négativement et refuse que les animaux soient maltraités. C'est pour ça que je suis extrêmement optimiste, moi, sur notre capacité à pouvoir faire bouger les choses. Parce que je pense qu'une grande partie, aujourd'hui, de la mainmise de toute cette industrie qui exploite les animaux tient au fait que les humains sont tenus dans l'ignorance, même si on est tout à fait d'accord que la plupart des personnes ne veulent pas savoir, ne préfèrent pas savoir. Mais une fois qu'elles savent, souvent quand même, ça change quand même énormément leur manière de voir les choses. Après, il y a quelque chose aussi qu'il faut changer par l'explication, par des écrits philosophiques, par des conférences, c'est-à-dire expliquer qu'il y a quelque chose d'absolument irrationnel dans nos comportements, qui sont encore extrêmement basés sur la sensiblerie, j'ai envie de dire, et non pas sur la sensibilité. C'est un argument que j'utilise assez souvent lorsqu'on dit « mais finalement, les défenseurs des animaux,
ils sont sympas, hein, ils sont gentils, mais bon, dans le fond, ils font quand même vraiment preuve d'énormément de sensiblerie. Pourquoi s'émouvoir sur le sort d'un cochon ou d'une vache, etc. C'est des gens, finalement, qui ont une sensibilité un petit peu plus exacerbée que les autres, mais bon. Je renverse complètement ce rapport en disant qu'en réalité, ce sont les mangeurs de viande, souvent, qui font preuve d'une énorme sensiblerie, contrairement à un mec comme moi. Non, mais je vais vous expliquer pourquoi. Parce que souvent, les mangeurs de viande, chez nous, je veux parler de la France, ils disent, en tout cas, qu'eux, ils ont admis le fait qu'il est hors de question qu'on fasse du mal à leur chien ou à leur chat. La plupart. Vous trouverez toujours un abruti qui vous dira le contraire, mais la plupart admettent qu'il y a effectivement aujourd'hui certaines catégories d'animaux qui méritent un respect essentiel, le respect donc qui interdit qu'on le batte, qu'on le frappe, il faut qu'on le nourrisse, il faut qu'on s'en occupe, etc. Et ce sont nos animaux de compagnie. La plupart de ceux qui mangent de la viande ont de l'amour pour leurs animaux de compagnie. Et pourquoi ? Tout simplement parce que ces animaux-là sont mignons, ils sont gentils, ce sont des petites peluches qu'on peut cajoler. C'est la raison pour laquelle les bébés phoques, par exemple, ont été un argument extraordinaire pour faire avancer, d'une certaine manière, la cause animale, parce que ce sont aussi des petites peluches ambulantes. Et moi, je réponds souvent, mais en fait, je m'en fous, moi, qu'ils soient mignons, qu'ils soient beaux, qu'ils soient affectueux. Ce n'est pas mon problème. Est-ce que vous comprenez ? Moi, mon raisonnement à moi, dans le respect que je me dois d'avoir vis-à-vis des animaux, n'est absolument pas lié à cette sensiblerie-là. C'est purement intellectuel. Est-ce qu'il est intelligent, cet animal ? Est-ce qu'il peut éprouver de la douleur ? Est-ce qu'il peut éprouver de l'amour, de la tristesse, etc. Et donc, je trouve que nous, finalement, quand je dis nous, tous ceux qui sont concernés par les droits des animaux, nous sommes les personnes qui faisons sans doute le moins le preuve de sensiblerie. Bonjour Aymeric, donc moi je m'appelle Maureen. Mais où êtes-vous ? Où êtes-vous ? Je ne vous vois ici. Pas. Ah, bonjour Maureen. J'ai commencé à m'intéresser aux droits des animaux quand j'avais à peu près 15 ans. Et moi, la question qui me travaille le plus, c'est comment est-ce qu'on peut transmettre nos idées, notamment aux gens qui ne sont absolument pas convaincus, parce que je pense que dans cette salle, on est beaucoup à avoir rencontré des gens qui étaient totalement butés, qui ne voulaient rien entendre. Je pense que c'est arrivé à beaucoup d'entre nous. Et je voulais savoir comment est-ce qu'on peut avoir un discours qui ne soit pas dans l'extrême, c'est-à-dire qui ne soit pas agressif, et qui puisse à la fois convaincre. Et je pense notamment aux générations comme les enfants. Est-ce qu'on peut convaincre un enfant d'adopter la voie du végétarisme ou du végétalisme, ouais, sans devoir lui montrer des images horribles, etc. Il y a quelque chose, on a une force absolument extraordinaire qui est pour l'instant sous-exploitée. Elle n'est pas insoupçonnée, mais elle est inexploitée. C'est que nous avons la raison pour nous. C'est-à-dire que, ça peut paraître extrêmement prétentieux de dire cela, mais ça ne l'est pas du tout, c'est une réalité. C'est-à-dire que quand vous argumentez avec quelqu'un, si vous avez une bonne connaissance globale du sujet, le mangeur de viande arrive toujours à un point où il n'a plus d'arguments. C'est-à-dire que tous les arguments rationnels aujourd'hui amènent à la conclusion qu'il faut arrêter de manger de la viande et de maltraiter les animaux. Tous. Il n'y a aucune échappatoire, aucun moyen pour quelqu'un en face qui défend un point de vue contraire puisse avoir raison. C'est pour ça qu'à un moment, vous allez vous retrouver confronté à des arguments qui n'en sont pas, qui sont juste absolument ridicules, du style « c'est la tradition », on en parlait tout à l'heure, donc ça c'est le non-argument par excellence, ou « j'aime trop la viande, je ne peux pas m'en passer ». Donc l'argument débile aussi, auquel là encore on peut répondre d'un point de vue philosophique, ton plaisir personnel ne peut pas passer après l'intérêt de l'animal, l'intérêt à ne pas souffrir, etc. etc. C'est, voilà. Donc je pense que l'attitude à avoir, elle est de plusieurs ordres. D'abord, choisir le chemin toujours de la rationalité, non pas de l'émotivité. Ce qui peut paraître quelque chose d'un peu paradoxal, puisqu'on a aussi bien conscience du fait que si on est sensible aux droits des animaux, c'est quand même aussi, parce qu'à un moment, on a une hypersensibilité, bien évidemment. Cette hypersensibilité, ou en tout cas une sensibilité exacerbée, en tout cas suffisamment développée. Une sensibilité que d'autres n'ont pas. Mais il faut justement à un moment, me semble-t-il, en tout cas, être capable de mettre cette sensibilité de côté, comme je le disais tout à l'heure, pour n'en revenir qu'à de la rationalité. Puisque la rationalité est du côté des défenseurs des droits des animaux, je reviens vraiment là-dessus. C'est pour ça que quand on me dit parfois, ah oui, c'est une croyance, une forme de religion. On essaye aussi d'assimiler souvent les défenseurs des droits. Le végétarisme. Ah, alors votre religion, c'est le végétarisme ou le végétalisme ? Non, non. Il y a
n'y a pas de religion pour moi. Pourquoi ? Parce que dans les religions, il y a toujours une énorme part d'irrationalité, de choses qu'on ne peut pas prouver. C'est de la croyance. On croit en quelque chose. C'est Claudel qui découvre la foi au détour d'un pilier d'une église. Ça nous tombe dessus. Nous, c'est tout le contraire. Tout est rationnel. On base nos arguments sur le travail de philosophes, mais de scientifiques aussi, d'éthologues, de paléoanthropologues. C'est extrêmement... Voilà. Donc je pense que, d'une part, il faut avoir une discussion extrêmement calme, extrêmement apaisée, d'argument à argument, et vous êtes quasiment sûr de gagner à chaque fois. Et d'autre part, ne pas vous exclure de ceux qui ne pensent pas comme vous. Un végétarien ne doit pas dire « je ne vais pas » ou un végétalien ne doit pas dire « je ne vais pas à ce dîner parce que moi je suis végétarien ou végétalien et donc on va se foutre de ma gueule ou et donc je vais me faire remarquer ». Moi, c'est tout le contraire. C'est assumer complètement ce que l'on est, mais en toute sérénité. Je l'ai fait, moi, ça m'est arrivé très souvent, comme je l'ai raconté dans mon livre, pendant des années, je me suis excusé d'être végétarien ou végétalien parce que j'avais le sentiment d'être chiant pour les autres, d'être extrêmement différent. Jusqu'au jour où on inverse le rapport, on se dit, mais finalement, c'est eux qui sont différents de moi, c'est pas moi qui suis différent d'eux. Alors après, l'histoire des moqueries qui peuvent énerver, qui peuvent aussi créer quelque chose d'assez émotif, tout ça, il faut vraiment le faire passer au-dessus. Je crois aussi, en plus, que tout ça est vraiment en train d'évoluer considérablement. C'est-à-dire que je pense qu'il n'y a plus aujourd'hui la même ironie systématique à l'égard de quelqu'un qui parle de droits des animaux. Je pense même que tout cela, une fois de plus, va s'inverser assez rapidement. Good afternoon, my name is Oliver. It's a question more for Peter Singer. You talked previously about the two main battlefields, which is linked first with the individuals and the other one with the politics towards the animal liberation. And to me, there is a third one, and a dog as well. There is a third one, which is the legal perspective that not many people talk about. And I do have a vision, maybe I'm naive, but my vision is that at some stage, very soon, in a small country, let's say in Northern Europe, because they have demonstrated that sometimes they are fairly advanced in comparison to other countries, there will be some sort of heated discussions and debates between legal specialists. And the result, the outcome of these discussions will be that from one day to the next, they will change the legislation and they will make the animal from a good to a moral person with all the consequences that we can think about, and that this situation might replicate from the next country to the next and so on. So my question is, what about the legal perspective, and do you think this is an important avenue? Thank you. Thank you for raising this matter, because yes, it is certainly something that I've been involved with, and I just didn't want to make my speech too long. But right now, in fact, in the United States, there is a case going on behalf of two chimpanzees, some of you may have heard of, called Hercules and Leo. They're owned by a university. And Stephen Wise, who has for maybe 20 years been trying to advance the cause of animals through the law, has finally brought a case on behalf of chimpanzees to try to get a court to accept the idea that they are legally persons. He's using chimpanzees not because he doesn't care about cows and pigs, but because he thinks a court is most likely to accept this for chimpanzees, given what we know about their rationality, their self-awareness, their rich emotional lives, and so on. And he hopes that they will be a bridge to change the law eventually with regard to other animals. And the judge is actually hearing this case. He's tried several times before to get this case heard, but the judges have said, no, you know, chimpanzees are property, not persons. But for once now, a judge, perhaps not accidentally a woman judge, has at least agreed to hear the case, and the arguments have been made in the court just this week. We won't know probably for another month or two what the verdict is, but it's a possibility at least that some animals will be ruled to be legally persons.
as you say, another possibility is that it comes about in some very progressive European country first, and that that influence then flows somewhere else. There are many different paths that you can think of which would change the law. But there has to still be this understanding in the public that I was talking about, that indeed there is an ethical basis for this. Because if that doesn't happen, then the legislator would just change the law back again after a judge's decision. So I think it goes hand in hand. You have to have the ethical arguments educating the public and the lawyers pushing the claims as a kind of advance party for the animals. Bonjour, Caroline. Je suis maman d'un petit garçon de 2 ans et j'aimerais parler aujourd'hui de l'exclusion des enfants végétariens et végétaliens dans les cantines scolaires ou à la crèche. On a donc un petit garçon qui va à la crèche pour lequel on s'est battu pour qu'il ait le droit de manger végétarien. Il a encore effectivement 1 an à aller à la crèche, donc on est tranquille en ce moment. Là, moi, ce qui commence à m'inquiéter, et j'appréhende beaucoup, c'est l'entrée à l'école. Je suis tout à fait persuadée qu'on fera avancer notre cause non pas en nous imposant, mais en nous mêlant à la population lambda, ce qu'on a toujours fait. L'entrée à l'école s'avère très compliquée puisqu'on a cru comprendre que les repas végétariens ne seraient pas possibles. Alors effectivement, je sais qu'il y a des véganes, des végétariens qui me disent « Mais oui, mais alors moi, tu vois, je fais l'école à la maison parce que c'est la seule solution que j'ai trouvée. » D'autres qui me disent « Bah voilà, moi j'ai arrêté de travailler pour pouvoir aller chercher ma fille, mon fils à l'école le midi et le faire manger à la maison. » Moi, je n'ai pas envie de faire ça. Moi, j'ai envie que mon fils aille à l'école normalement, comme tous les autres enfants. Et je m'arrête parce qu'effectivement... Une réaction ? Ouais. C'est une question... Bonjour, Caro. C'est une question essentielle qui me touche personnellement beaucoup, et je ne suis pas le seul. On a publié une tribune dans Le Monde avec... Mathieu, avec Sandrine Bellier qui est ici présente, avec François-Olivier Gisbert, avec Jean-Baptiste Jean-Gène Villemer, avec Alain Bougrain-Dubourg, il y a quelques semaines, pour réclamer justement, pour expliquer l'urgence absolue qu'aujourd'hui toutes les collectivités, comme les cantines, proposent une alternative végétalienne. Végétarienne, mais a fortiori végétalienne. Et on l'avait intitulé le repas végétarien ou végétalien, le repas le plus laïque de tous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça me semble être une nécessité. Et je pense que... Et je vais même être... Je suis un mec très optimiste, en fait, parce que je vais vous dire, mais là aussi, je suis optimiste. Je pense que c'est le moment idéal, aujourd'hui, pour qu'on ne lâche pas là-dessus et qu'on réclame ça extrêmement fortement. Parce qu'on est dans un moment où on a un débat sur la laïcité. Qu'est-ce qu'on a le droit de manger ou pas le droit de manger à la cantine? Faut-il exclure ceux qui ne veulent pas manger comme les uns, comme les autres, etc. Beaucoup instrumentalisent complètement ces questions aujourd'hui pour faire naître des débats de haine. Et il me semble au contraire que c'est un nouvel angle justement d'approche extrêmement intéressant aujourd'hui dans le débat politique que d'expliquer que le repas végétalien, au contraire, là encore, est une solution formidable pour réunir les gens et non pas pour exclure, parce qu'on se rend compte qu'au-delà de toutes les croyances, au-delà de toutes les questions de religieuses, justement personnelles, on se rend compte que le repas qui réunit tout le monde et que tout le monde peut manger sans exclure personne, c'est le repas végétalien. Donc ça doit être aujourd'hui... Selon moi, une priorité dans les discussions qu'on va avoir avec les politiques, je fais partie de ceux, je ne suis pas le seul, puisque je viens de vous rappeler le nom de ceux qui ont signé cette tribune, qui ont décidé d'en faire un combat, en tout cas une vraie question, qu'on va amener devant les politiques. Et alors, le signe peut-être intéressant, c'est qu'on a des politiques qui n'ont absolument jamais parlé des animaux, qui commencent eux-mêmes à évoquer ça. Je crois que François Bayrou commence même à en parler. Je crois même que Guénaud lui-même, qu'on n'attendait pas là-dessus, certainement pas, lui-même commence à se poser la question du repas végé à l'école. Donc, il ne faut pas lâcher l'affaire. Je crois qu'il y a 2 aspects à ça.
c'est d'une part les connaissances. Hein, quand on sait, il est normal que les parents soient profondément préoccupés par la santé de leurs enfants. Donc si on leur dit sans protéines animales, vous n'avez pas un régime équilibré pour la croissance de votre enfant, on comprend qu'ils soient concernés par cela. Maintenant, si on regarde effectivement une publication de la FAO, donc ce n'est pas encore une fois un groupe militant ultra-végétarien, qui considère une centaine d'aliments communs dans le monde et la teneur en protéines, le premier aliment d'origine végétale, le porc, c'est 22%, et vous avez la levure de vie à 45%, le soja 35%, les pois cassés 33%. Donc si vous voulez, et en plus, les fameuses histoires des équilibres des acides aminés, il s'avère que si vous mangez normalement des végétaux, il n'y a pas de carence en acides aminés essentiels. Donc, le côté de la santé pourrait être expliqué par la science. Et je crois que ça, c'est une chose importante. Maintenant, je peux me permettre, pardon, avant que vous continuiez, Mathieu, là encore, il y a un énorme travail d'information à faire face à la désinformation qu'il y a en face, puisque dans les écoles notamment, il faut rappeler pour ceux qui ne le savent pas encore, il y a quand même des décrets officiels du gouvernement qui expliquent qu'il faut absolument qu'il y ait des protéines animales dans les repas. C'est absolument scandaleux. Là aussi, il va falloir faire tout ce travail d'information. C'est-à-dire qu'on a des diététiciens officiels qui racontent n'importe quoi. Alors, non, mais c'est vrai, et qui travaillent pour le gouvernement, en tout cas, qui sont repris par le gouvernement. Donc, si vous voulez, les enfants, c'est vrai que, même s'ils n'étaient pas contents, si c'est bon pour leur santé, les parents peuvent, en quelque sorte, imposer quelque chose. Maintenant, une fois qu'on sait que ce n'est pas un problème pour la santé, alors peut-être demander aux enfants eux-mêmes, n'est-ce pas? Qu'est-ce qu'ils en pensent? Et moi, j'ai fait l'expérience au Chili, où c'est un endroit où on mange plus de viande au monde avec l'Argentine, etc. Donc j'avais un parterre de 300 enfants et je répondais aux questions. Donc des enfants entre 6 et 10 ans. Il y en a un qui est venu et qui m'a demandé bravement si j'étais végétarien. J'ai dit oui. Et alors bon, et après je regarde les enfants, j'ai dit voilà, est-ce que les vaches sont vos amis? Oui, tout le monde. Est-ce que les oiseaux sont vos amis? Oui, tout le monde. Est-ce que les poissons sont vos amis? Oui, tout le monde. Est-ce que vous voulez manger vos amis? Non. Bien, les parents étaient consternés. Mais donc, une fois qu'on sait que ce n'est pas un problème de santé, on pourrait peut-être demander aux enfants, et on sait très bien que spontanément, quand les enfants font le rapport entre ce qu'ils mangent et la souffrance, ils ont un mouvement de recul. Et la désinformation continue, puisqu'à Chicago, on a demandé à des enfants entre 6 et 10 ans d'où venait la viande, et 60% disaient du supermarché. Et si on leur demandait d'où vient du supermarché, de l'usine. Et quand on leur disait que c'est des animaux vivants, ils étaient un peu surpris. Bonjour, je m'appelle Jean-Luc Daube. J'ai écrit « Ces bêtes qu'on abat ». Hein, vous me connaissez puisque vous me citez dans vos livres. Et bravo, parce que c'est un bouquin magnifique. Qui, merci. Non, mais il faut le souligner. Et très courageux à écrire parce qu'il y a quelque chose que je voudrais souligner. Je vous laisse parler tout de suite. Mais l'un des aspects les plus difficiles, selon moi, du militantisme, c'est-à-dire être militant aujourd'hui pour la cause animale et aller révéler ce qui se passe dans les abattoirs ou dans les industries agroalimentaires, ça demande beaucoup de courage. Et je pense beaucoup de jours, je pense, de déprime. On doit prendre sur soi une violence qu'on observe, et je pense qu'on sort pas indemne de tout ça. Donc, j'étais vraiment admiratif de votre travail. Merci. Effectivement, j'ai visité pas mal d'abattoirs pendant plus d'une dizaine d'années. Et c'est vrai que quand je quittais un abattoir, je laissais plein d'animaux derrière moi à l'abattoir. Moi, je rentrais à l'hôtel le soir, mais bon. J'avais pas pu vraiment les sauver puisqu'ils y passaient tous. Et puis je voulais dire, sur les images qu'on a vues tout à l'heure, le bovin qui reculait à l'abattoir, vous savez, qui avait peur avant d'être abattu. Là, il faut se méfier quand on nous dira, vous savez, dans les abattoirs, la réglementation est respectée. Parce que là, effectivement, la réglementation était respectée, mais le bovin, il souffrait quand même, il avait peur. Et dans les abattoirs, les animaux, ils ont tous peur. J'ai vu des bovins qui perdaient leurs urines, qui meuglaient. Les cochons, c'est pareil, ils ont tous peur. Les cochons, c'est pareil, ils reculent. Alors, ils en font avancer 10, les 3 premiers reculent, donc les 7 autres, ils reculent aussi. Mais qu'est-ce qu'on fait? On donne des coups de pile électrique dans le dernier, le 10e. Et il ne sait pas, lui, pourquoi il recule. Il ne peut pas avancer puisque les autres reculent. Mais on lui donne quand même des coups de pile électrique. Et là, la réglementation, elle est respectée. Donc, manger moins de viande, c'est bien, mais ne plus en manger du tout, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Merci beaucoup. Restez avec nous 2 secondes. Mais merci à vous tous. Thank you very much indeed, Pete Singer, Mathieu Ricard et Émeric Caron.
Et merci pour toutes vos questions, même si le double n'a pas été posé, on n'a pas eu le temps, mais malheureusement, le temps est limité. Brigitte, vous voulez juste dire quelques mots de conclusion. Voilà, Brigitte, prenez un micro. Voilà. Oui, je voudrais bien faire quelques mots de conclusion. Déjà, vous remercier toutes et tous d'avoir pris part à cet événement. Donc, merci à vous, le public. Un merci tout particulier à tous les trois, vraiment très sincèrement. Merci beaucoup. Je crois que tout ce que vous nous avez dit aujourd'hui, ça va nous aider à nous toutes et tous qui sommes concernés par la question animale, qui ont envie que ça progresse. Vous avez donné de l'espoir. Et ça, l'espoir, je pense que l'énergie de l'espoir, c'est la nôtre. Hein. Et je voulais remercier les bénévoles qui se sont donnés à fond. Les gens de la Cité des Sciences qui nous ont accueillis à bras ouverts, qui avaient très très envie que ça se passe ici. Parce que justement, comme ça a été dit aujourd'hui, c'est quelque chose de logique, c'est quelque chose qui se base sur la science. La Cité des Sciences et de l'industrie, c'est là-dessus. Je voulais vous dire aussi que juste après, ici, ils ont encore du travail. Il y a une séance de dédicaces. Il y a leurs livres qui sont présents, le nouveau de Peter Singer, L'éthique à table, et puis l'ancien Libération animale qui a été réédité, le livre de Mathieu, Plaidoyer pour les animaux, et le livre d'Emeric, Nostec, qui sont trois livres, si vous ne les avez pas lus, franchement ça vaut le détour, et alors là en plus vous pouvez avoir une griffe personnalisée. Voilà. Donc c'est à la sortie, il y a un espace spécial pour les dédicaces. J'avais encore des choses à vous dire. Je voulais vous dire qu'il est très très important, mais ça a été dit tout l'après-midi, d'agir pour les animaux, c'est-à-dire de s'engager, d'essayer de faire le plus possible. Vous pouvez vous engager aux côtés d'associations, vous pouvez vous engager individuellement, mais agissez. Non, mais c'est bon, j'y pense, Michel. Ensuite, vous avez dans le hall aussi, où il y aura les dédicaces, les tables d'infos de L214 et des cahiers antispécistes qui viennent tout juste de sortir. Ils sortent des presses, le dernier numéro, qui est une introduction à Zoopolis de Kim Lika et Donaldson, qui justement est dans le thème d'aujourd'hui, inventer une société sans exploitation des animaux. Et puis, enfin, je vous donne rendez-vous le 13 juin à Paris, de nouveau, pour la marche pour la fermeture des abattoirs. Et il me reste une personne à remercier, c'est Alex. Heureusement que vous étiez là, vraiment. Et merci à vous trois, merci vraiment du fond du cœur. Et bravo pour tout ce que vous avez dit, ça donne vraiment de la force. Merci.